The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. First of all, it would, of course, significantly delay. Monsieur le Président, si le juge président n'avait pas son casque, cela risque de retarder l'audience. On prendra un petit peu de temps. Maintenant, je pense que les photographies ont été prises et je vais demander à Madame la greffière d'audience de citer l'affaire. La greffière d'audience, je vous remercie, Monsieur le Président. Situation en République centrafricaine. Affaire le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Magenda Kabongo, Fidel Babalawandou et Narcisse Arido. Référence de l'affaire ICC 0105-0113. Pour le compte-rendu, je tiens à dire que nous sommes en audience publique. Le président, merci. Je vais maintenant demander les présentations des parties. Commençons par l'accusation. La procureure, merci Monsieur le Président. L'accusation, c'est-à-dire le bureau du procureur, est aujourd'hui représenté par Kwaku Van de Pouille, premier substitut propriétaire, Olia Struyven, substitut procureur, Sylvia Wakchom, adjointe au substitut procureur, Sylvie Vindinia, commise aux affaires, Marie-Alvine Tchekanda, conseillère en coopération, et Adjede Awine. Et moi-même, c'est-à-dire Fatou Bensouda, procureur. Le président, merci. Passons aux équipes de la défense. Commençons par la défense de Maître Kilolo. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous dans ce prétoire. Donc, Maître Kilolo est représenté par moi-même, Marc-Michel Carnavas, Stephen Powles, Loïc Agroga et Monsieur Loa Almante. Merci, Maître Takou. Maintenant, pour Monsieur Arido. Maître Takou, merci. Donc, je représente les intérêts de Monsieur Arido avec Monsieur Bekalao. Mon éminent confrère Beth Lyons, malheureusement, n'est pas avec nous et envoie toutes ses excuses. Le Président, je vous remercie. Passons à Monsieur Babala. Bonjour, Monsieur le Président. Assiste Monsieur Babala à l'audience de ce jour. Vera Piovesan et Godefroy Bokolombe, assistant juridique, Maria Adriana Manolescu, gestionnaire des dossiers, professeur Jean-Pierre Fofé Jofia Malewa, et moi-même, Jean-Pierre Kilenda Kakengi Basila, respectivement conseil associé et conseil principal. Thank you. Question, merci. Maître Gosnell, bonjour à tous. Christopher Gosnell pour Monsieur Mangenda, qui est en prétoire et nous sommes aidés par Madame Ritaïp. Le président et Madame Taylor pour Monsieur Beba. Bonjour à tous. Mélida Taylor pour la défense de Monsieur Jean-Pierre Gemba avec Mylène Dimitri, Inès Pierre de la Brière et Yuching Liu. Je tiens juste à faire remarquer que la transcription de Monsieur Beba ne marchait pas, mais maintenant cela marche. Donc je vous remercie. Micro, s'il vous plaît. Micro. Bien, donc le 19 octobre 2016, la Chambre 7 de la Cour pénale internationale a jugé coupable à des degrés divers messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Moussamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Narcisse Arido et Fidel Babalawandou d'atteinte à l'administration de la justice en application de l'article 70 du statut et impliquant donc 14 témoins à décharge dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, appelée ici l'affaire principale.
Cette chambre aujourd'hui va fixer les peines en vertu de l'article 76 du statut. La chambre souligne que seule la décision écrite anglaise fait foi. Avant de passer au prononcé de la peine des personnes jugées coupables, la Chambre tient à faire connaître la façon dont elle a compris les textes de loi en ce qui concerne trois points. À savoir, premièrement, la peine maximum encourue pour atteinte à l'administration de la justice. Deuxièmement, les facteurs pertinents à prendre en compte pour la détermination de la peine et pour exercer le pouvoir discrétionnaire de la Chambre. Et troisièmement, savoir s'il est possible, en vertu du traité de Rome, de sursoir à l'exécution d'une peine. Mais avant d'en venir là, et en ce qui concerne la demande 21-20 confidentielle de la défense Bemba, la Chambre fait remarquer que la défense avait demandé à la Chambre d'attendre, de donner des observations sur le rapport de solvabilité mis à jour de la greffe. Rapport qui a été soumis le 17 mars 2017, et ce, avant donc que des décisions soient prises par rapport au bien de M. Bemba. La Chambre a reçu une copie de cette demande, mais par email du 20 mars 2017, la Chambre a rejeté cette demande pour les raisons suivantes. Pour atteindre sa décision, la Chambre a pris en compte les faits que la défense Bemba avait déjà pu répondre à la demande, au premier rapport, au précédent rapport du greffe concernant la solvabilité de M. Bemba. Et ici, je parle d'une pièce qui a été donnée le 6 décembre 2016 en vertu d'une décision de la Chambre. Donc, la décision s'est assurée que le greffier avait bien déposé le rapport de solvabilité avant d'avoir reçu les écritures des parties sur les fixations de la peine. On a même donné à la défense une prorogation de délai pour permettre à la défense d'incorporer les aspects éventuellement pertinents de ce rapport dans leurs écritures. Et la défense Bemba l'a fait en effet. Et de plus, le contenu la Chambre remarque que le rapport de solvabilité mis à jour n'a eu aucune influence sur la moindre partie de la décision relative à la peine. La requête de la défense Bemba est donc rejetée. Passons maintenant à la question que j'ai déjà abordé, c'est-à-dire donc la peine maximum en cas d'atteinte à l'administration de la justice. La Chambre a noté que la peine maximum pour une ou plusieurs atteintes à l'administration de la justice ne peut dépasser 5 ans, tel que prévu à l'article 70.3 du statut. Pour être bref, le raisonnement de la Chambre s'appuie sur une lecture combinée des articles 70.3 et 78.3 du statut et des trois considérations suivantes. Tout d'abord, la règle 166, paragraphe 2 du règlement exclut explicitement l'applicabilité de l'article 77.1 du statut aux atteintes à l'administration de la justice, qui est donc remplacée par la lex specialis, c'est-à-dire l'article 70.3 du statut, qui permet d'imposer une peine allant jusqu'à 5 ans, mais pas au-delà. Deuxièmement, les États parties ont délibérément fait la différence entre les crimes, au sens de l'article 5 du statut, et les atteintes à l'administration de la justice au sein de l'article 70 du statut. Cette différence conceptuelle importante, basée sur la différence de gravité qui est gravée dans les textes entre les crimes prévus à l'article 5 et les articles prévus à l'article 70, doit être prise en compte lors de la détermination de la peine. Alors que toute personne jugée coupable de crimes prévus à l'article 5 peut se voir infliger une peine allant jusqu'à 30 ans, toute personne coupable d'atteinte telle que prévue à l'article 70 ne peut se voir imposer de peine d'emprisonnement allant au-delà de 5 ans. Troisièmement, l'article 78.3 du statut doit être appliqué mutatis mutandis, tel qu'il est amendé et lu en conjonction avec l'article 70.3 du statut, qui impose une limite de 5 ans d'emprisonnement.
Donc, même dans le cas d'une personne jugée coupable d'une ou plusieurs administrations, plusieurs atteintes à l'administration de la justice, ces dispositions interdisent le cumul des condamnations qui aboutiraient à un cumul des peines au-delà des 5 ans de prison. Et maintenant, passons aux facteurs pertinents devront être pris en compte pour fixer la peine et sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Guidé par l'article 78.1 du statut et la règle 145 du règlement de procédure et de preuve, la Chambre doit identifier tous les facteurs pertinents pour chaque personne jugée coupable, à savoir la gravité de l'atteinte et les circonstances individuelles de la personne, y compris les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes. Après avoir identifié les facteurs pertinents, la Chambre doit ensuite les peser et trouver le bon équilibre entre eux afin de déterminer une juste peine. Cela dit, la Chambre, dans sa décision, a pris en compte tout d'abord la gravité des infractions commises et ayant le jugement de la culpabilité de la personne concernée. Deuxièmement, le comportement coupable de la personne déclarée coupable. Et troisièmement, les circonstances individues entourant la personne déclarée coupable. La Chambre a un grand pouvoir discrétionnaire pour déterminer les justes peines. Cela dit, pour ce faire, elle est guidée par deux considérations. Premièrement, tout d'abord, la peine doit refléter la culpabilité de la personne déclarée coupable, telle que stipulée à la règle 145A1A du règlement. Et deuxièmement, la peine doit être proportionnée au crime, c'est-à-dire ici à l'atteinte, tel que cela est prévu aux articles 81.2a et 83.3 du statut. Ces deux considérations montrent clairement que la peine ne peut qu'être qu'individualisée pour chaque personne déclarée coupable. Les parties ont fait énormément référence aux jurisprudences des autres tribunaux internationaux en ce qui concerne les atteintes similaires. Néanmoins, il est certes vrai que l'on peut se baser sur les affaires dans d'autres tribunaux internationaux, mais la Chambre considère que chaque affaire doit être évaluée individuellement et sur la base des documents qui existent, pour adapter la sanction à la gravité du crime ou de l'infraction et aux circonstances individuelles de la personne déclarée coupable. La juxtaposition des circonstances individuelles des atteintes et celles de la personne déclarée coupable démontre bien que chaque cas est unique et ne saurait, ou en tout cas pas dans sa totalité, être comparé à une autre affaire. Comme l'ont bien expliqué d'autres chambres de cette cour, de ce fait, et je cite, « Il est difficile de déduire d'une peine imposée dans une affaire quelle serait la juste peine dans une autre affaire. » Fin de citation. Il convient d'ajouter que du fait du pouvoir discrétionnaire que le droit leur offre, la fixation de la peine est une décision individuelle et très personnelle de chaque juge. Voyons maintenant s'il est possible de sursoir à l'exécution d'une peine selon les textes du statut de Rome. La Chambre rappelle que la défense, au cours de l'audience de fixation de la peine, a proposé à ce que la possibilité de sursoir à l'exécution d'une peine d'emprisonnement. Or, le statut et le règlement sont muets sur ce sujet. La Chambre est d'avis que l'option permettant de sursoir à une peine de prison doit être présente dans le statut. En effet, d'un côté, le statut permet à une chambre d'imposer une peine d'emprisonnement et, de l'autre côté du spectre, il lui permet de ne pas prononcer de peine du tout. Alors, si ces mesures sont envisagées, dans ce cas-là, l'étape intermédiaire, c'est-à-dire la suspension de la peine, doit aussi être envisageable. Toute conclusion contraire entraverait le pouvoir discrétionnaire de la chambre et aboutirait à un résultat injuste, à savoir que toute personne condamnée à une peine devrait inconditionnellement purger une peine ferme, quand bien même la Chambre considérait des mesures moins restrictives comme plus adaptées. De ce fait, la Chambre a conclu que son pouvoir de suspendre l'exécution d'une peine est lié à son pouvoir de fixer une peine et de la prononcer. Et de surcroît, cette approche est conforme au droit et à la pratique d'autres tribunaux nationaux et internationaux.
Passons maintenant au prononcé des peines pour chacune des personnes déclarées coupables. Je me tourne d'abord vers M. Babala. La Chambre rappelle que M. Babala a été déclaré coupable d'avoir commis les infractions de subornation de témoins à deux reprises, concernant le témoin D57 et le témoin D64. La Chambre a pris en compte la gravité des deux infractions et le comportement coupable de M. Babala. La Chambre a aussi trouvé une circonstance aggravante, à savoir l'aide apportée par M. Babala à la tentative d'obstruction de l'enquête qui était en cours au titre de l'article 70. Cela dit, il faut mettre cela en regard par rapport à la participation relativement illimitée de M. Babala aux infractions et le fait que, finalement, sa conduite criminelle n'était rien d'autre que quelques virements illégaux d'argent à deux témoins. La Chambre a aussi pris en compte les circonstances individuelles de M. Babala, par exemple son excellent comportement au cours du procès, le fait qu'il n'avait pas de condamnation antérieure et sa situation de famille. M. Babala, veuillez vous lever. Après avoir pris en compte tout ce qui a été dit, la Chambre vous condamne, M. Babala, à 6 mois de prison. En application de l'article 78.2 du statut, le temps déjà passé en détention peut être déduit de votre peine, selon une ordonnance de la Cour. Donc, c'est depuis votre arrestation du 24 novembre 2013, en application du mandat d'arrêt émis par la Chambre de préliminaire 2 le 20 novembre 2013. Et vous avez été libéré le 23 octobre 2014. Alors, étant donné que la peine qui vous a été imposée est inférieure au temps que vous avez passé en détention, la Chambre considère que vous avez purgé votre peine de prison. Monsieur Babala, vous pouvez vous asseoir. Et au vu de ce qui vient d'être dit, la Chambre rejette la demande de la défense Babala pour que l'on proroge la libération provisoire, étant donné que cet appel est maintenant sous objet. Passons à M. Arrido. La Chambre rappelle que M. Arrido a été condamné a été déclaré coupable d'avoir commis les infractions de subornation de témoins en concernant 4 témoins, D2, D3, D4 et D6. La Chambre a pris en compte la gravité des quatre infractions et le comportement coupable de M. Arrido n'a trouvé aucune circonstance ni atténuante ni aggravante en ce qui concerne cela, mais a pris en compte les circonstances individuelles de M. Arrido, c'est-à-dire son bon comportement au cours du procès, sa personnelle situation, le fait qu'il n'avait pas de conditions antérieures, sa situation de famille, ainsi que le travail qu'il a fait pour la réconciliation en République centrafricaine et sa générosité envers ses compatriotes et les personnes dans le besoin. Veuillez vous lever, M. Arrido. Prenant en compte tout ce qui vient d'être dit, la Chambre vous condamne, M. Arrido, à 11 mois de prison. En application de l'article 78.2 du statut, le temps que vous avez déjà passé en détention provisoire sera déduit de votre peine suite à une ordonnance de la Cour. Donc, il s'agit du temps passé lorsque vous avez été arrêté le 23 novembre 2013 en application d'un mandat d'arrêt émis par la Chambre de préliminaire déjà mentionnée, jusqu'à votre libération le 22 octobre 2014. Alors, étant donné que la peine qui vous est imposée est égale au temps que vous avez passé en détention, la Chambre considère que vous avez purgé votre peine. Vous pouvez vous asseoir. Et là, au vu de ce qui vient d'être dit, la Chambre rejette donc la requête de la défense de M. Arrido pour prorogation de la libération provisoire, étant donné que ceci est maintenant sans objet. M. Majenda, la Chambre rappelle que M. Majenda a été jugé coupable de la charge d'avoir subordonné des témoins en tant que co-auteur, et ce, à 14 reprises, et concernant les témoins D2, D3, D4, D6, D13, D15, D23, D25, D26, D29, D54, D55, D57 et D64. Deuxièmement,
avoir présenté ces faux éléments de preuve en tant que co-auteur à 14 reprises concernant témoins D2, D3, D4, D6, D13, D15, D23, D25, D26, D29, D54, D55, D57 et D64. Et d'avoir aidé au faux témoignage de certains témoins à 9 reprises concernant D2, D3, D4, D6, D13, D15, D25, D29 et D54. La Chambre a pris en compte la gravité des infractions et le comportement coupable de M. Majenda. Elle a trouvé deux circonstances aggravantes, à savoir l'abus de confiance de M. Majenda vis-à-vis de la Cour et le rôle qu'il a joué dans la tentative d'entrave à l'enquête en cours au titre de l'article 70. La Chambre remarque qu'elle a fait la différence entre les infractions où M. Majenda était co-auteur et celles où il n'était que complice. Le nombre de témoins impliqués et le degré divers de participation de M. Majenda, bien qu'un degré moins important, a aussi été pris en compte. La Chambre a aussi pris en compte le fait que ces faux témoignages avaient porté sur des faits qui avaient trait à la crédibilité du témoin. Ensuite, la Chambre a aussi pris en compte le rôle de M. Majenda vis-à-vis des autres co-auteurs, ses circonstances individuelles, son bon comportement au cours du procès, sa coopération avec la Cour, son absence de casier judiciaire et le fait qu'il n'ait pas pu travailler dans son pays de résidence. Monsieur Majenda, levez-vous. Ayant pris en compte tous les facteurs ci-dessus, la Chambre vous condamne, Monsieur Majenda, à une peine conjointe de 24 mois, c'est-à-dire 2 ans de prison. En application de l'article 78-2 du statut, votre peine, il sera déduit de votre peine de prison le temps que vous avez déjà passé en détention suite à une ordonnance de la Cour, donc le temps que vous avez passé depuis votre arrestation le 23 novembre 2013 en application d'un mandat d'arrêt émis par la Chambre préliminaire 2 le 20 novembre 2013 jusqu'à votre libération du 31 octobre 2014. Prenant en compte vos circonstances personnelles, votre bon comportement au cours du procès, les conséquences de votre incarcération sur votre famille, la change sur soi à l'exécution du reste de votre peine d'emprisonnement pour 3 ans. Donc cette peine ne sera pas en vigueur à moins que vous ne commettiez un autre délit ou une autre infraction punissable de prison, y compris bien sûr des atteintes contre l'administration de la justice. Monsieur Majenda, vous pouvez vous asseoir. Et au vu de ce qui a été dit, la Chambre donc rejette la requête de la défense Majenda pour prorogation de la libération provisoire. C'est maintenant sans objet. Monsieur Kilolo. Corruptly influencing witnesses as co-perpetrator in 14 instances, namely witnesses D2, D3, D4, D6, D13, D15, D23, D25, D26. D2, D3, D4, D6, D13, D15, D23, D25, D26, D29, D54, D55, D57 et D64. La présentation de faux témoignages en tant que co-auteur à 14 reprises, à savoir les témoins D2, D3, D4, D6, D13, D15, D23, 25, 26, 29, 54, 55, 57 et 64. Et incitation aux faux témoignages de témoins à 14 reprises, à savoir D2, D3, D4, D6, D13, D15, D23, D25, 26, 29, 54, 55, 57 et 64. La Chambre a pris en considération la gravité des infractions et le comportement coupable de M. Kilolo. La Chambre a trouvé 3 circonstances aggravantes, à savoir l'utilisation abusive du secret professionnel par M. Kilolo entre un conseiller et son client et des droits qui en résultent, ainsi que son rôle dans la tentative de faire obstruction à la présente enquête. Article 70. La Chambre souligne qu'elle a établi une distinction entre les
infractions que M. Kilolo a commises en tant que co-auteur et celles qu'il a commises en tant que complice. Le nombre de témoins impliqués a également été pris en considération. La Chambre a pris en compte également le fait que le faux témoignage a trait à des questions relatives à la crédibilité des témoins. Enfin, la Chambre a pris en considération les circonstances individuelles de M. Kilolo, telles que ses efforts visant à promouvoir la profession juridique en Belgique et en République démocratique du Congo, son implication dans une organisation non gouvernementale, sa coopération avec la Cour et l'attitude constructive qu'il a montrée au cours du procès. Enfin, l'absence de casier judiciaire et de dossiers disciplinaires auprès du barreau de Bruxelles. M. Kilolo, Lolo, veuillez vous lever, s'il vous plaît. En prenant en considération tous les facteurs cités ci-dessus, la Chambre vous condamne à une peine de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement. En application de l'article 78.2 du statut, vous pouvez bénéficier de la déduction de votre peine de la période passée en détention préalablement sur l'ordre de la Cour, à savoir depuis votre arrestation le 23 novembre 2013 en application du mandat d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire 2 le 20 novembre 2013 jusqu'à votre remise en liberté le 22 octobre 2014. Étant donné votre situation familiale, votre comportement excellent pendant tous les débats actuels et les conséquences de l'incarcération sur votre vie professionnelle, la Chambre accepte de suspendre l'exécution du reliquat de votre peine d'emprisonnement pour une période de 3 ans, de telle sorte que la peine ne prendra pas effet. Si vous versez l'amende qui vous est imposée par la Chambre et que j'indiquais ultérieurement, et à moins qu'au cours de cette période, vous commettiez une autre infraction en quelque lieu que ce soit punissable d'emprisonnement, ceci incluant les attentes à l'administration de la justice. En outre, la Chambre considère qu'une amende peut constituer une partie de la peine de manière appropriée. Il incombe en effet à la Chambre de dissuader la répétition d'un tel comportement de votre part, M. Kilolo, ou de toute autre personne. Reconnaissant votre culpabilité accrue en comparaison avec celle de M. Magenda, prenant en compte le fait que vous êtes solvable, la Chambre estime que vous devez être condamné à une amende de 30 000 euros. En prenant en considération la règle 166.4, peine préalable du règlement de procédure et de preuve. Le montant peut être versé à la Cour dans les 3 mois suivant cette décision. La Chambre ordonne que cette amende soit ensuite transférée au fonds au profit des victimes. Monsieur Kilolo, vous pouvez vous asseoir. J'en arrive finalement à M. Bemba. La Chambre rappelle que M. Bemba a été déclaré coupable des infractions suivantes. Subornation de témoins en tant que co-auteur à 14 reprises, à savoir les témoins des 2, 3, 4, 6, 13, 15, 23, 25, 26, 29, 54, 55, 57 et 64. Présentation de faux témoignages en tant que co-auteur à 14 reprises, à savoir les témoins D2, D3, D4, D6, 13, 15, 23, 25, 26, 29, 54, 55, 57 et 64. Et troisièmement, sollicitation à fournir de faux témoignages de témoins à 14 reprises, à savoir les témoins D2, D3, 4, 6, 13, 15, 23, 25, 26, 29, 54, 55, 57 et 64. La Chambre a pris en considération la gravité des infractions et le comportement coupable de M. Bemba. La Chambre a trouvé 2 circonstances aggravantes, à savoir M. Bemba a utilisé de manière abusive le secret professionnel entre un conseil et son client et les droits qui en résultent et son rôle dans sa tentative de faire obstruction à l'enquête en cours, article 70. Elle a pris également en considération le fait que en commettant ces infractions, M. Bemba a utilisé
sa position actuelle et ancienne en tant que président du mouvement de libération du Congo. La Chambre souligne qu'elle a établi une distinction entre les infractions où M. Bemba a été co-auteur et celles pour lesquelles il est condamné en tant que complice. De surcroît, le nombre de témoins impliqués a été pris en considération. La Chambre a également tenu compte du fait que le faux témoignage avait trait à des questions autres que celles liées au fond de l'affaire principale. Enfin, la Chambre a pris en considération la situation familiale de M. Bemba. Monsieur Bemba, veuillez vous lever, s'il vous plaît. En prenant en considération tous les facteurs cités ci-dessus, la Chambre vous condamne, Monsieur Bemba, à une peine conjointe supplémentaire de 12 mois, un an d'emprisonnement. La Chambre considère qu'il n'est pas approprié que cette peine soit exécutée avec votre peine actuelle, étant donné que les infractions ne sont pas liées. Par conséquent, la Chambre ordonne que la peine soit exécutée après celle que vous purgez actuellement. En application de l'article 78.2 de statut, la Chambre considère qu'il est nécessaire qu'une peine substantielle vous soit imposée, en particulier le fait que la Chambre estime qu'il faut décourager ce genre de comportement et éviter la répétition d'un tel comportement de votre part. Monsieur Bemba, considérant le fait que vous êtes solvable, la Chambre estime que vous devez être condamné à une amende de 300 000 euros. Prenant en considération la règle 166.4, première peine du règlement de procédure et de preuve, le montant doit être versé à la Cour dans les 3 mois suivant cette décision. La Chambre ordonne que la peine soit transférée ensuite au fonds au profit des victimes. Monsieur Bemba, vous pouvez vous asseoir. J'en arrive maintenant à la question de la période passée en prison. En application de l'article 68.2 du statut, Monsieur Bemba, vous pouvez voir déduire de votre peine la période préalablement passée en détention sur ordre de la Cour. À cet égard, la Chambre note que depuis le jour où vous avez reçu le mandat d'arrêt en la présente affaire, le 23 novembre 2013, vous avez été en détention. Également pour une autre cause, sur la base de 2 raisons différentes, le mandat d'arrêt de la Chambre préliminaire 3, délivré le 24 mai 2008, et la décision de fixation de la peine délivrée par la Chambre de première instance 3, délivré le 21 juin 2016. En conséquence, il y a un chevauchement entre les 2 affaires qui a une influence sur la question de savoir de quelle manière M. Bemba pourrait bénéficier de la déduction de temps prévue pour la présente affaire. Le 21 juin 2016, la Chambre de première instance 3 a condamné M. Bemba dans l'affaire principale à 18 années d'emprisonnement. Cette Chambre, en même temps, a ordonné la déduction d'une période de temps, de la période de temps déjà passée en détention, aux fins de la présente affaire. Ceci depuis le 24 mai 2008 jusqu'au moins le 20 juin 2016. Étant donné cette situation, la majorité de la Chambre estime qu'une déduction de temps jusqu'au 21-2016 dans ce contexte, dans le contexte de cette affaire, n'est pas possible. Pour présenter les choses simplement, le temps déjà déduit ne peut pas être déduit une seconde fois. Depuis le 21 juin 2016, vous êtes toujours en détention. Et en conséquence, la majorité de la Chambre détermine que M. Bemba ne bénéficiera pas de déduction de temps en la présente affaire. Le juge Pangalangan est d'accord avec les résultats
est d'accord en ce qui concerne l'ajout d'une année supplémentaire d'emprisonnement, mais a rédigé un commentaire à la décision actuelle. Tout d'abord, je considère que M. Bemba peut bénéficier de la pleine application du crédit de peine pour toute la période qu'il a passée en détention pour cette affaire depuis son arrestation de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Ceci découle d'une application directe de l'article 78.2 du statut qui prévoit que la Cour déduit du temps le temps préalablement passé en détention conformément à un ordre de la Cour. Même si M. Bemba est également détenu dans la principale affaire aux yeux du droit, il est toujours derrière les barreaux par ordre de cette Cour. Si la majorité estime qu'il existe une marge d'interprétation en ce qui concerne l'article 78.2, cette latitude en matière d'interprétation doit s'exercer en faveur du défendeur au titre du principe in dubio pro reo. Par conséquent, je suis en désaccord avec le fait que la Cour puisse de sa propre initiative exclure M. Bemba du bénéfice de l'application de l'article 78. Également, je considère que la majorité a donné à M. Bemba une peine trop peu élevée et disproportionnée par rapport au rôle central et déterminant qu'il a joué dans les infractions pour lesquelles il est condamné. S'agissant l'application pleine de du crédit de peine, je suis d'accord avec la peine supplémentaire imposée à M. Bemba. Ceci conclut aujourd'hui la décision. Je souhaiterais remercier toutes les parties pour leur contribution et la qualité de leur travail. Je souhaiterais tout particulièrement remercier ceux qui ont contribué au bon déroulement de ces procédures, c'est-à-dire les greffiers d'audience, les huissiers d'audience, les interprètes, les sténographes, les assistants à la production audiovisuelle, les collègues de l'unité des victimes et des témoins qui ont garanti la présence des témoins en cette affaire, les gardes de sécurité, les collègues informatiques et des services généraux. Bien entendu, ceci est une règle que de remercier tous les collègues au terme d'un procès. Je voudrais simplement vous assurer à tous que cette Chambre est pleinement consciente du fait que ces procédures n'auraient pas pu se dérouler sans heurts et de manière diligente si vous n'aviez pas montré cet engagement. L'audience est levée.